Morsaille pour créer de la galère. Le peuple français a parlé. A voté. Morsaille est élu président de la République avec 98% des voix. Morsaille président, Morsaille président. Une écrasante victoire, et pourtant ça a été chaud. Retour sur l'incroyable parcours de Mohamed Mehadji. Qui aurait pensé qu'un simple vendeur de t-shirts puisse un jour devenir président de la République? C'est pourtant la destinée du rappeur Morsaille, propulsé par ses vidéos devenues virales sur Internet. Cliquez, cliquez, bande de salopes, laissez des commentaires, bande de salopes, clique, salope. Il se présente alors de justesse aux élections présidentielles de 2017 et gagne dès le premier tour en baisant Marine Le Pen en brochette. En somme, l'ascension époustouflante d'un homme qui n'est pas sans rappeler celle de De Gaulle en 1958. Le président Morsaille compte commencer son quinquennat par des mesures patates de fou. Suppression totale des impôts pour tous les citoyens qui possèdent les scud, le son du terre-terre, ZF, les élites du rap, baise tous les racistes du monde, le son du terre-terre 4, le son du terre-terre 3. Il prévoit également une dépénalisation du cannabis. Je veux vous laisser fumer votre propre shit. Enfin, afin de répondre aux problèmes de sécurité routière, il propose de retirer les poteaux présents en bordure des routes. Vous êtes en train de dire que sur la route, les gens se font des accidents. C'est normal, vous mettez des poteaux partout. Même s'il reste flou, Morsaille a déjà annoncé quelques membres du gouvernement à venir. Le premier ministre devrait être son frérot, Zehef. Ce dernier a évoqué la présence de Swagman aux finances. Une figure controversée, mais qui n'a plus rien à prouver dans le domaine de la thune. On sait aussi, suite à différentes enquêtes, que le ministre des Sports devrait être Cortex 91, les pyramides, réputé pour ses programmes de muscu. Le ministère de la Solidarité et de la Santé sera confié à Schlaguito. Et le futur ministre de l'Éducation nationale, Tai Tai, serait déjà en train de réfléchir à une réforme. Morsaille deviendra officiellement président le 19 août 2017. Ça va être du lourd! Ciao! Clic, salope! Ok, c'est Morsaille, je voulais dédicacer les truands de la collabo, grosse big up à vous, petit clin d'œil, merci pour mon anniversaire les frérots, vous êtes les meilleurs, les jaloux, cliquez bande de salopes, cliquez. Et aussi je voulais vous dire, n'oubliez pas, je me présente aux élections présidentielles 2017, c'est moi le boss, c'est moi le patron. Cette année je vais revenir en force. Et il y en a plein qui vont regretter. Mon album, Le Parrain, pèse tous les racistes du monde. Cliquez, bande de salopes. Viens à Clignancourt. Je peux même te faire un concert en art. C'est pour le son du terre-terre, ça. Tout ce que t'as construit. Fais plaisir, rêve à tes ennemis.
T'as pas d'argent, pétale, cousin. Ok, c'était Morsaille. Voilà, nouvelle collection. Cran de la galère pour femmes, col V. Donc les filles, vous pouvez venir récupérer les nouveaux trucs de la galère parce que j'ai beaucoup de clientes qui m'ont saoulé. Cliquez, bande de salopes. Cliquez, laissez vos commentaires. Cliquez, bande de crevettes. Là, c'est cliquez, bande de salopes. Bientôt, il y aura cliquez, bande de crevettes qui va sortir pour ceux qui sont plus tranquilles. Voilà. Et j'ai touché celui-là en nouveau. Cran de la galère. En toutes les couleurs, les petits polos, les polos de la galère, ça y est, ils sont sortis. Vous pouvez venir les acheter, ne vous inquiétez pas, on est là au BR. Voilà. Sur ce, merci à tous ceux qui cliquent. Voilà, ciao! Rien cadeau, tout ça! Je vous nique vos merdes, on va encore foutre le bordel. Ce qui m'a fait encore plus rire, c'est qu'on parle en bien de mal, j'en ai rien à cirer tant qu'on parle de moi. Cliquez et cliquez. Vous la vérité. Parlons bien de moi, vous mal, je n'ai rien à cirer tant que vous la vérité. Vous la vérité. Vous la vérité. Deux cancers, 17 ans j'étais en prison la première fois de ma vie. Comment c'est né le truand de la galère? Exactement. Tu te la rentres la canette dans ton cul, fils de pute! Voilà, ciao. Tu veux du pain?